chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur votre première édition de l'émission Diaspora en Action. Diaspora en Action, c'est une émission éducative, culturelle. Ce soir, nous recevrons M. Henri Ngolo. Henri Ngolo est le président de Ressources Globales pour la Diaspora et directeur de marketing et gestion d'entreprise, avec 22 ans d'expérience dans le domaine. Bonsoir, Monsieur Henri. Bonsoir, mon frère. Bienvenue sur notre mission Diaspora en Action. Merci de pouvoir me recevoir. Vous êtes la bienvenue. Merci. Notre première question revient de l'Italie, Monsieur Thierry Cassa, qui pose la question suivante. Quelle est votre vision pour la RDC maintenant que le président Félix Tshisekedi appelle les compatriotes de rentrer pour la reconstruction nationale? Merci beaucoup pour la question. Et moi, je pense que l'appel du président Tshisekedi, c'est un appel patriotique et aussi un appel volontaire à la diaspora de revenir pour la reconstruction nationale. Comme vous le savez, dans chaque pays où il y a transition dans le cadre du gouvernement, dans le cadre de l'économie développementale de la nation, la diaspora a toujours joué vraiment un rôle très très important dans la reconstruction. Je pense que son appel solennel est bien reçu. C'est à nous d'avoir le processus sur place pour accomplir cet appel qui est patriotique, aussi qui était volontaire, pour que tout le monde s'engage et pour reconstruire notre nation que nous aimons. Monsieur Thierry Cassa, votre question a été répondue. Merci de nous envoyer des questions depuis l'Italie. Notre deuxième question vient de l'Angola. Madame Yvonne Casadi, qui pose la question suivante. Que dites-vous de la résistance de la diaspora de retourner dans leur pays d'origine? Oui, on sent la résistance et ça c'est propre aussi. J'ai bien capté la question, ma sœur. Je pense que c'est un problème d'incertitude. L'incertitude dans la diaspora est sur le point où nous ne sommes pas en train d'épingler clairement si les gens rentrent et quel est le processus mis en place du gouvernement pour recevoir les revenants. Je pense que c'est là où nous allons aborder, mon frère, la question de bureau de ressources pour la diaspora en RDC Congo. Donc, avec notre expertise, moi par exemple, je rentre au Congo et mets sur pied un bureau de ressources pour la diaspora, les gens reviennent. Comment est-ce qu'ils seront inventoriés? Les statistiques, le procès de l'emploi, un peu créer l'éthique du travail. Il y aura aussi des entrepreneurs qui vont venir en RDC Congo. Comment on va les recevoir? C'est l'incertitude qu'on sent. Mais l'appel est solennel. Je pense qu'il faudrait qu'il puisse y ait des choses mises en place, le processus en place pour nous aider avec le revenant. Oui, mais comment vous pouvez gérer une personne qui a fait près de 30 ans à l'extérieur? Vous voyez, l'habitude, la mentalité ont changé. Comment gérez-vous ces genres de personnes s'ils retournent au pays pour leur intégration? Quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place? Je comprends. C'est là où nous parlons aussi de cette incertitude. Comme vous le savez, dans la diaspora, toute personne qui vit dans la diaspora, il est contributeur dans l'économie nationale de leur pays d'origine. Et ce sont des gens qui envoient plus ou moins 1,5 billion de dollars par an. Et quand ils sont à l'extérieur de leur pays, ce sont des contributeurs dans l'économie. Et s'ils revenaient au pays, et s'ils ramenaient leurs investissements, et qu'ils ne trouvent pas une place claire pour investir, un emploi quelconque, pour que ces enfants, les enfants de leurs enfants, trouvent la stabilité. Ça, ce sont des questions vraiment à se poser. Notre troisième question nous revient de la RDC. Oui, elle s'appelle Madame Bibi Maketou Louvounou. J'y arrive, hein? Bibi Maketou Louvounou. Bibi Maketou Louvounou pose la question suivante. Quelles sont vos suggestions pour la concrétisation de cet appel patriotique et volontaire des patriotes?
Un, je commence, mon frère, avec ce qu'on appelle le veil des consciences nationales dans RDC Congo. Le veil de la conscience nationale viendra avec les gens qui comprendront que le pays leur appartient. C'est leur pays. C'est quelque chose qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Et que la ressource même de ce pays, c'est la ressource des enfants de leurs enfants. On ne peut pas te mettre sous la table avec ce qui est à toi et tu te sens obligé comme si tu veux voler avant qu'on te donne ton propre plat. C'est votre pays. Gérons le pays. Je pense que la concrétisation, c'est dans le procès patriotique. Donc, nous devons vraiment y atteler pour y arriver aussi. Donc, comme on a dit, le bureau sera installé. Et moi-même, je suis déjà, peut-être je serai sur le terrain bientôt, où on va discuter ou aborder le gouvernement, peut-être à ce point le ministre des Affaires étrangères, ou le bureau du président de la République, pour que nous puissions mettre le processus ensemble, pour que quand vous arrivez dans le pays, qu'il y ait quand même des statistiques, qu'il y ait une relation entre l'entrepreneur et l'employeur, entre le gouvernement et le revenant. Donc, on va créer un système relationnel pour que le procès avance. Notre quatrième question qui nous revient tout droit de Belgique, Monsieur Bernard Kambo, qui pose la question suivante. Quelle sera votre contribution en tant que président des ressources globales pour la diaspora? Merci, Monsieur Bernard. Je pense que c'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous sommes venus intervenir. C'est parce que nous nous sentons responsables du pays que nous avons hérité de nos ancêtres. Moi, je suis là, je ne suis pas à la recherche de l'emploi, comme tu peux déjà le voir. Donc, je suis directeur d'entreprise, je suis gestionnaire de formation et je suis directeur de marketing. Donc, je gagne ma vie là où je suis. Mais pourquoi mon intérêt maintenant se tourne dans le pays d'origine? C'est parce qu'à cœur, j'ai senti que je serais parmi les participants de ceux qui peuvent reconstruire la nation avec l'aide du gouvernement, avec l'esprit patriotique de tout le monde. Ici, je serai très bref. D'ailleurs, on a déjà étalé tout un procès. Donc, on va créer un processus dans le bureau pour recréer des statistiques, pour revaloriser l'élaboration et préparation de connexions entre le gouvernement et la diaspora. Et aussi, comme vous l'avez demandé, donc on a déjà élaboré un mouvement de sensibilisation dans la réintégration de revenants. On a aussi élaboré déjà la coordination des actions gouvernementales, c'est-à-dire la relation entre notre bureau et le bureau, par exemple, le ministre des Affaires étrangères. Tout cela, on a déjà vraiment préparé ce que nous allons faire. Et aussi, nous allons travailler dans la facilitation de la relation qui déjà sera entre l'entreprise et l'entrepreneur. Donc, tout cela dans les statistiques, nous allons travailler pour qu'ensemble, nous puissions vraiment faire mouvoir donc, le procès que le président de la République a mis en place. Et aussi, n'oubliez pas, il faut qu'on puisse créer un centre d'évaluation. Par exemple, quand les gens reviennent, on aura l'évaluation. Comment est-ce qu'on peut le placer dans des entreprises et comment des gens on peut trouver leur talent, leur diplôme, leur expérience au profit de la nation. En fait, voilà notre contribution en bref, mais on a beaucoup à se dire avec peut-être le directeur du cabinet du président ou ses alliés ou le président lui-même, si moyen il y en a. Oui, parce qu'on vous voit déjà en action hein, depuis un certain temps. Vous arrivez à regrouper la diaspora congolaise ici dans votre état déjà, l'état d'Ohio, et vous allez au Texas, Los Angeles, donc vous faites un travail remarquable. Merci mon frère. Félicitations. Merci. Bon, nous allons poser notre cinquième question qui nous revient de M. Patrick qui vit à Atlanta, ici aux États-Unis. M. Patrick Chimanga. Voilà. Mm-hmm. M. Patrick Chimanga, il vit à Atlanta, ici aux États-Unis. Il pose la question suivante.
Quel appel lancez-vous à la diaspora et la population congolaise pour le développement économique de la nation et politique? Merci beaucoup, mon frère. D'ailleurs, c'est l'ultime de pourquoi nous sommes là. Nous devons lancer un appel à tout le monde, pas seulement à la diaspora, à la nation congolaise. Vraiment, nous sommes un peuple très intelligent, une nation riche à travers le monde. Si vous clarifiez, si on classifie l'RDC Congo, nous sommes parmi les 5 premiers pays riches du monde. Mais on se retrouve au bas de l'échelon à cause du manque de l'éveil de la population. Et je demanderai à la diaspora, comme vous le savez, nous sommes des contributeurs. Le pays nous appartient. Nous demanderons au gouvernement, c'est notre pays, collaborons, travaillons ensemble, assidûment, je l'ai dit, pour que ce pays, dans 2, 3, 4 ans, 5 ans, peut-être avant la fin du mandat du président de la République, que nous ayons quelques éléments sur la table à présenter au niveau international pour voir que le pays est en train de mouvoir, c'est-à-dire nous sommes en train de faire deux pas. Je vous le dirai, tu as parlé des hésitations de la diaspora. Hésitons responsablement, mais soyons mainmise sur la nation pour que nous puissions arriver au bout de notre exercice développemental et économique de la nation. Oui, c'est vraiment un travail à faire. Est-ce que vous pensez que une fois en RDC, vous aurez l'accès vraiment facile de pouvoir traiter votre travail, ce que vous savez faire, avec tout ce qu'on connaît, ce qui se passe en Afrique, hein? On choisit les têtes par, on choisit les gens par plus ou moins des affinités et tout, entre guillemets, être parent ou connaître telle personnalité pour essayer d'être inséré. Donc, parce que en Afrique, il y a des moments où on ne prend pas les gens par leurs compétences, Vrai. mais on te prend parce que tu es parent ou tu es ami ou en fait, est-ce que vous êtes sûr que avec ce que vous venez de dire là, vous aurez vraiment l'accès de pouvoir peut-être rencontrer le cabinet, le directeur du cabinet du président de la République, qui est aussi l'homme intègre, hein, l'homme que nous suivons un peu depuis de longues dates, Monsieur Vital Kamerhe. Et c'est un monsieur qui est intègre. Je pense que est-ce que vous pouvez le rencontrer aussi facilement? Je pense qu'ici, je ne serai pas en train de pousser le gouvernement à me rencontrer ou pas. Ce que j'aimerais dire, que nous devons restaurer l'état de droit en ramenant l'éthique du travail. Ce que tu as parlé à mon clé que tu as dit, par affiliation et non par éthique. Mais réellement, pour reconstruire une nation, nous devons ramener en République démocratique du Congo l'éthique du travail. Monsieur Henri Ngolo, nous sommes arrivés au terme de notre mission, mais bien avant, votre mot de la fin. Oh, merci beaucoup mon frère pour le monde de la fin et je suis ravi d'être sur le plateau, la diaspora en action. Et vraiment, cette émission sera pour nous tous un cadre de faire propos. C'est là où nous venons au moins, non seulement pour l'RDC Congo, mais l'Afrique en général, puis le monde international, donner notre point de vue sur les enjeux, que ce soit politique, économique, développemental, nous reviendrons toujours pour participer. Ce qui nous a amené ici aujourd'hui, dans le cas de DR Congo, nous sommes en train de demander que le bureau des liaisons pour la diaspora soit vraiment un atout entre les mains des potiers. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement nous écoute, m'appelle moi, et d'ailleurs, quand vous regardez, vous trouverez mon numéro d'Amérique, comme du ADER Congo, et nous devons travailler sur ce projet. Et on a déjà donné des détails sur le revenant. Vous avez écouté les doutes de la diaspora de revenir. Et tout se fera que dans l'esprit patriotique. Et dans le cadre d'entrepreneuriat, nous avons besoin des entrepreneurs, nous avons besoin des entreprises, nous avons besoin aussi d'une population congolaise
prêt à travailler. Donc là, je parle de l'éthique du travail, je parle de l'assiduité de se mettre au travail pour la reconstruction nationale. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était votre mission Diaspora en action. Diaspora en action a été réalisée par Cédric Gilliano et votre humble présentateur Papidel. À très bientôt.